deuxième candidat de l'équipe Maïgodé que l'on va accueillir est un des plus jeunes candidats que nous avons dans cette compétition. Je vous prie d'accueillir avec des acclamations les candidats Olivier Balola de Bukavu. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, trouble they don't last always, yeah. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your head and say, oh, I know that I can make it. I know that I can sing. Oh, no matter what may come away, yeah, my life is in your hand. Oh, oh, with Jesus I can make it, with him I know I can sing. No matter what may come away, my life is in your hand. Thank you, Jesus. Hallelujah. Quelle prestation. Quelle prestation. Quelle prestation. Quelle déclaration forte. Badia Boutalent, c'est aussi des instants comme ça. Des instants forts et intenses dans la présence de Dieu. Parce que ces talents, vous le savez, ce ne sont pas que de simples chanteurs. Ils ne chantent pas que pour la gloire. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est aussi ça, Badia Boutalent, ramener les cœurs de peuple vers les seigneurs. Et ce soir, je crois que Olivier a vraiment réussi à les faire. Olivier Balola, candidat numéro 42. On applaudit très fort pour Olivier Balola, s'il vous plaît. Merci Olivier, tu pourrais gagner le backstage. Nous poursuivons. 59 candidats, 59 numéros. Alors, une place à remporter. Voici Madja Boutalent Extra, présenté par Adrienne, Première Dame. Bienvenue de retour chez Première Dame dans cette nouvelle édition de Madja Boutalent Extra, là où vous allez découvrir d'une autre façon nos talents des Madjabou, nos 59 talents des Madjabou. Vous allez les découvrir ici dans Madja Boutalent Extra. Merci Madja Boutalent pour être le sponsor de cette nouvelle édition de Madja Boutalent Extra. N'oubliez pas de suivre Madjabou sur leur page Instagram, Facebook et YouTube Madjabou Talents. Suivez-les pour ne pas aussi manquer aucune de leurs vidéos et mettre la notification pour être toujours connecté lors de leurs différents shows. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Instagram Adrienne Première Dame et ici sur YouTube Première Dame Look. C'est bel et bien moi, la star à papa. Pour cette nouvelle rubrique, mes copines, c'est simple. Nous allons décortiquer ensemble avec vous les talents. Nous allons parler d'eux en long et en large. Est-ce qu'ils ont donné les meilleurs? De même, nous allons parler de nos juges. Nous allons parler de leur habillement. Oui, nous allons parler de leur stage. Oui, leur présence dans les stages. On va parler de ça. Nous allons parler de prestations de nos 59 talents. Nous allons parler des décisions qui seront mises contre les numéros et tout et tout. Nous allons enfin découvrir nos 59 beaux talents.
Enfin aussi, je vais vous expliquer comment est-ce que les votes se passent. Les votes se passent ceci. Il y aura 40% qui sera influencé par nos juges qui sont là au Congo. Et il y aura 60% de points, 60% des résultats qui seront influencés par toi et moi. Oui, nous aussi, on a aussi la possibilité de voter et la possibilité de choisir nos candidats. Ça se passe comment? Je peux juste vous expliquer parce que pour ceux-là qui sont en dehors du pays comme moi, vous pouvez justement télécharger l'application Majabu Talent sur iTunes, Majabu Talent sur Windows ou soit sur Android. Enfin, de voter la personne que vous aimez. Pour ce show, nous allons commencer, nous allons décortiquer ensemble avec vous les 59 chantres, les 59 talents qui ont chanté lors de la saison numéro 1. Parce qu'après ça, il y aura, on va passer aux éliminatoires, on va passer à de grandes choses et enfin jusqu'au final des Majabu Talent. Je vous présente enfin les chantres individuellement, par leur groupe aussi, quatre groupes, Mapendo, équipe nationale, My God et Team Balongi. Mettez en commentaire, vous êtes plutôt quel team? Si tu as la vision, tu penses qui va gagner? On va regarder la vidéo. Est-ce qu'il a été, elle a été à la hauteur? Enfin, mettez les commentaires et réagissez par rapport à leurs prestations. Nous vous souhaitons bonne chance pour cette compétition à tous les talents. J'espère que cette vidéo t'a béni. J'espère que Majabu Talent n'est pas justement un show, une compétition contre, you know, mais c'est une compétition chrétienne qui, pour moi, ça doit nous rapprocher de la présence de Dieu. Voilà Majabu Talent, quelque chose de nouveau, un nouveau vent au Congo Kinshasa. Kinshasa, la belle. Malheureusement, le bon chose ne dure pas. J'espère que vous avez été bénis par cette prestation. J'espère que vous avez aimé. Mettez en commentaire votre impression. Est-ce que notre chanteur a été à la hauteur? Est-ce qu'il a bien chanté? Est-ce qu'il a respecté le note? Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de questions? Mettez en commentaire comme ça. Eux-mêmes, ils viendront voir et lire. Et ils vont changer s'ils doivent changer pour l'air. Prestation prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien la charmante, la humble Adrienne, première dame, la star à papa. Retrouvez-moi sur mon Instagram, retrouvez-moi sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, Adrienne, première dame. Et surtout, n'oubliez pas de suivre Majabu Talent, n'oubliez pas de leur suivre aussi sur leur page, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Majabu Talent, et mettre la notification surtout pour ne pas manquer aucune de leurs vidéos live parce que Majabu is back. Enfin quelque chose de bon, enfin quelque chose de positif, enfin quelque chose chrétienne dans la communauté. Merci, à très bientôt. Majabu Talent. Let's share the dream.